Hey, fumier! Mais Joya, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un malaise. Pardon? C'est rien de grave, t'inquiète pas. Je veux savoir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été appelé? Et pourquoi faites-vous autant de mystères? Un boulot, c'est un boulot et je ne fais que faire le mien. Oui, mais tu exagères. Tout ce que je te demande, vas-y, Moulou. Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que tu m'as appelé et tu m'as payé pour ce boulot. Laissez-la tranquille. Tonton, Nana. Non. Non, Abedi. Ma fille, tu as un travail, je suppose. Oui, maman. Parfait! Tu es un soutien concret pour ton mari. Voilà ce qu'on appelle être une vraie femme. Non! Tu es sadique. Je t'ai vu prendre un énorme plaisir à faire souffrir cette femme. Elle n'a presque pas pu avaler une seule cuillère de ce repas qu'elle a cuisiné avec amour. Qu'est-ce que je dois entendre par « elle a cuisiné avec amour » Tu es amoureux d'elle, c'est ça? Je te rappelle que ça ne fait pas partie du plan. Évidemment que ça ne faisait pas partie du plan jusqu'à ce que je trouve en elle toutes ces qualités qui me séduisent. Alors, je viens te prier maintenant de tempérer tes ardeurs dans ton rôle. Je te rappelle que notre allié Abedi est en train de subir un calvaire dans son foyer à cause de sa future belle-mère. Voilà les paroles que vous avez utilisées pour m'engager et qui m'ont touché. En somme, c'est une sorte de karma. Nous devons lui rendre la monnaie de sa pièce. Qu'est-ce que j'entends? Il est mon goût, ce mec. Abedi, tu vas pas y croire. J'ai craqué pour un serveur. J'aimerais bien comprendre ce qu'elle nous dira. Mais quelle humiliation! Je me fais toutes sortes d'idées. J'ai de la peine à y croire. Je t'assure, j'étais glacée durant tout le dîner. Que de scènes désagréables depuis son arrivée. Et la totale, voir ta mère muette comme une carpe. Elle était comme hypnotisée. Ce feignant de photographe, j'ai bien failli lui mettre mon poing dans la figure. Ta mère sous la casquette de femme au foyer. Je me demande bien comment va-t-elle s'y prendre. Tu m'as venu ici.
Eh oui, c'est du gaz. Tout s'est fait ici. Et tout finit ici. J'aime les gros mots. Et moi, j'aime l'action. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ma faute. Demain est un autre jour, chérie. Tu vas déjà te coucher, parce que moi j'ai pas sommeil. Les choses ont déjà dû se tasser. Allez, viens, on y va. C'est quoi cette tête? Écoute, je peux tout t'expliquer. Mais tu vas t'arrêter 5 minutes que je puisse tout t'expliquer. Enlève tes sacs de là. J'ai des explications à te donner. Garde-les pour toi. Surtout ne t'avise pas de me retenir. Sinon, je fais un terrible scandale. Tu ne peux pas partir. Dégage de là. Écoute. Dégage de là. Ferme bien la porte en sortant. Chérie, s'il te plaît, dépêche-toi, je suis déjà en retard. J'ai presque fini. Juste le temps de refaire quelques retouches de mon maquillage, s'il te plaît. Oh quoi, les femmes avec le maquillage, toujours en train de faire les dernières retouches. Tu as ta chance que ce n'est pas mon jour de sortie avec le véhicule. Sinon, il y a longtemps, je serais parti. Chérie, je ne veux pas être en retard pour une histoire de maquillage. Et j'espère que le jour de notre mariage, tu feras un plus léger et plus rapide. Et qui, j'ai déjà fini. Pardon, sois ici, on part. Elle est où? Sorcière! Maman, calme-toi, s'il te plaît. Ton plan ne va pas réussir. Qu'elle vienne ici. Elle et moi, nous allons porter le même pied de pantalon. Maman, veux-tu te calmer, me dire ce qui ne va pas? Je ne me calme pas! Écoute-moi très bien, cette fille doit partir de cette maison. C'est une sorcière de la qualité supérieure. Depuis que maman a décidé d'aller s'installer chez Obi, je trouve qu'il règne un silence de cimetière dans cette maison. De toutes les façons, je m'étais déjà habitué à la fois au silence et au bruit. Alors dis-moi, quel est réellement ton point de vue concernant cette histoire entre maman et Obi? Je ne sais quoi dire. Une chose est sûre, c'est que l'amour n'a pas d'âge. Et maman est assez grande pour savoir ce qu'elle veut. Malgré tout, je pense qu'il faut toujours s'arrêter et réfléchir avant de prendre certaines décisions. Quoi qu'il en soit, j'aurais joué ma partition en essayant de lui faire entendre raison. Chérie. Je me demande toujours ce que j'ai pu faire à maman pour qu'elle me déteste autant. Figure-toi que tu n'as rien fait. C'est juste pour un moment et ça ira. Tu ne cesses de le répéter. Mais la situation va de mal en pis. Écoute chérie, profitons de ce moment de silence pour mieux organiser le programme de notre mariage. Je vote pour que la tenue de notre mariage soit de la même couleur que... Ah non! Tu es malade, toi. C'est quoi ce genre de réflexion? Je t'aime, toi. Ah, moi encore plus.
Waka. Waka. Oui, maman. Qui suis-je pour toi? Pardon. Je t'ai posé une simple et toute petite question. Qui suis-je pour toi? Tu es ma maman. Celle-là qui a tout fait pour moi. Et ça, tu ne le discutes avec personne. Dans ce cas, tu me fais partie, cette sorcière de cette maison. Sinon, il faut faire un choix. Non! Surtout, ne touche pas à mon sac. Va là-bas dedans. Tu arranges le sac de cette espèce. Cette sale petite peste. Et tu ramasses ces vieilleries. Qu'elles se mettent hors de cette maison tout de suite. Enfin, maman, peux-tu prendre au moins la peine de m'expliquer ce qui ne va pas? La voilà, que elle-même t'explique le plan qu'elle a mis sur pied pour détruire notre famille. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu as creusé ta propre tombe. Mais de quoi parles-tu, maman? Hey! Papa, calme-toi! Laisse-moi! Laisse-moi! Tu appelles qui, maman? Hein? Au lieu d'accoucher une espèce dans ton genre, vaut mieux rester stérile. Arrête ça, maman! Tu parles là de ma fiancée! Tais-toi donc, malheureux. Ta fiancée, mon œil. Ne te rends-tu pas compte qu'elle t'utilise comme un objet entre ses mains? Hein? Et c'est parti. Encore avec ses larmes de crocodile. Finis de pleurer, tu pars chercher tes affaires et tu te mets hors de la maison de mon fils. Maman, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. S'il te plaît, calme-toi. Arrête de pleurer. Je vais me calmer. Je vais me calmer. Je ne sais plus comment me comporter avec elle. C'est de trop. Tu sais au moins de quoi est-ce qu'elle parle? Non, je suis confuse. Menteuse que tu sois, tu fais la sorcellerie en plein jour. Ha! Tu as lavé le cerveau de mon fils, mais moi je vais brosser le tien comme ça. Tu ne peux pas détruire la famille, m'en fous quand je suis encore debout. Ça suffit, maman, c'est quoi ton problème? Même si tu avais raison, ta manière d'agir finit par te rendre condamnable. Ah bon? Comme ça, monsieur me condamne sans me juger? Hein? Maman, s'il te plaît, sors de cette chambre. Sors de cette chambre, j'ai dit. Je ne sors pas. Calme-toi, chérie, s'il te plaît. Maman, je ne veux pas me répéter. Maman, sors de cette chambre! Sors de cette chambre, maman! Oui, oui! Malade dans ta tête. C'est quoi votre problème? Ah, donc tu nous connais, tu es le premier à nous insulter. Vous roulez comme si vous étiez dans votre salon. Attends, tu te prends pour qui? Pour l'architecte, vous allez me faire quoi? Tu sais qui je suis? Soyez même le président du monde. Vous faites quoi à qui? Hein? Vous restez chez moi. Ok, on va faire le constat. Vous faites le constat? Vous connaissez le constat plus que qui? Hein? Je vais te montrer comment on se comporte en public. Dégage, dégage. Bouge pas de là. Vous savez ça? Sauvage!
sauvage. Obi a fait foirer le plan avant le temps. Comment ça? Il paraît qu'en jouant le jeu, il s'est fait jouer par le jeu. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Il a craqué pour ma faute au point de me faire des reproches sur la façon de mener le plan. Comme quoi on en fait trop, elle n'a rien fait pour le mériter. Apparemment, il n'a rien compris du plan. Où est-il présentement? Je ne sais pas. Il est sorti en cascade et m'a dit qu'il ne veut plus me retrouver chez lui. Ok. Laisse-moi tirer ça au clair. Je peux déjà te rassurer que le comte ne souffre de rien. Donc, tu peux dès à présent faire ton retrait. Quant à lui, il va falloir revoir son contrat. Allô? Bonjour, Madame Djouya. Bonjour, Monsieur le Proviseur. Je tenais juste à vous informer que le délégué des enseignements secondaires va effectuer une descente à l'établissement demain matin. Ok, c'est compris. Je ferai tout mon possible pour y être. Et aussi, n'oubliez pas que c'est déjà le moment. Ça, je sais, monsieur. Et je ne pourrais pas blaguer avec cela. Je sais. Chair, tout esprit, tu nous as donné la puissance, ô Dieu, de marcher sur tous les serpents, les scorpions de toute la terre. J'exerce cette autorité et je marche maintenant sur tous les ennemis. Oh Nana, au nom puissant de Jésus. Comment oses-tu mettre tes sales pattes dans cette maison? S'il te plaît, permets-moi de t'expliquer. Sors! C'est ta complice que tu es venue chercher? Prends-la et partez hors de ma vue. Je te demande de sortir. Mais Obi, qu'est-ce qui se passe au juste? Hein? Maman, calme-toi. Je te préviens que si tu ne sors pas, c'est la police qui viendra chercher ton cadavre. Maman, calme-toi, je gère. Obi, viens avec moi. Même là-bas, je ne veux pas le voir. Maman. Espèce d'andouille. J'ai de la peine à y croire. Elle paraissait si douce. Pour te dire vrai, elle est méconnaissable depuis qu'elle est rentrée de chez toi. Tu pourrais commencer par me dire ce qui la met dans cet état. C'était qu'un jeu au départ. Et maintenant, c'est tellement difficile à expliquer. Obi, va droit au but, s'il te plaît. Écoute, j'ai été engagé pour séduire ta maman. Quoi? Comment ça? Et par qui? Écoute, ça devait être passager, mais après, je suis tombé amoureux d'elle. J'ai tout foutu en l'air. Obi, tu as été engagé par qui? Joya, le soir de la fête, j'étais en mission. C'était quoi l'objectif de cette mission? Faire subir à ta mère tout ce qu'elle avait fait vivre à Abedi. Si je comprends bien, Abedi est complice de cette mascarade, c'est ça? Je sais pas. Ok. On va faire simple. Hors de ma vue. Hors de ma vue, j'ai dit. J'espère que tu me comprends. Te comprends, tu dis? C'est à croire que... Tu vas quitter cette maison aujourd'hui. De toutes les façons, je vais t'aider à faire tes bagages. Tout de suite. Ramasse tout ça et pars ici.
Maman, laisse-la tranquille, s'il te plaît. Elle n'y est pour rien. Avocat du diable. Je te dis que c'est elle qui a tout organisé. Chérie, la visite surprise de ton fils m'a fait comprendre qu'on a sauté les étapes. Ah bon? Comment ça? Je te connais vraiment pas. Qu'est-ce que tu as envie de savoir exactement? Parle-moi de la mère de ton fils. Ça fait des années qu'on ne se voit pas. Elle s'est remariée et elle est heureuse. Et la seule qui compte, c'est toi. Tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Non, je ne m'inquiète pas. C'est important pour moi de savoir tout ça. Mystique, c'est le fruit de ma jeunesse. Dis-moi, qu'est-ce que tu as contre le mariage? Rien. Je n'avais pas encore trouvé la bonne personne. Et je comprends maintenant que Dieu me réservait pour toi. Tu sais, ma fleur, plus le temps passe, je constate que tu me redonnes envie de sourire à la vie. Moi aussi. Avec toi, j'ai l'impression de retrouver mes 15 ans. Signé Blaise Options, la pièce unique.